Voilà aujourd'hui 32 ans que mon mari est mort. J'ai fait tout ici, toute ma vie ici. Me voici aujourd'hui fou. Seigneur Jésus, tu es témoin. Sauve-nous, Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Même les femmes sont aussi à côté. Avec des bouches peintées comme les fesses du chimpanzé. Oh. Y'a un voisin. Donc c'est vrai que ça fait mal, mais nous aussi nous avons souffert beaucoup d'années. Donc nous avons un titre foncier sur cet espace qui date depuis 30 ans. Donc parallèlement, c'est vrai que les familles sont en train de souffrir. Je peux détenir la chose de quelqu'un longtemps. Et plus tard, quand le propriétaire, même un téléphone, même une chaussure, tu peux détenir une chaussure ou un téléphone volé, on est venu te vendre. Et quand le propriétaire sort avec ses documents et ses papiers qui justifient que c'est pour lui, la justice fait son travail et on va lui céder cette chose. Je suis au travail, ça fait 6 ans. Je me suis levé un matin, je suis allé au marché. En venant, on a mis toute ma maison par terre. Le problème est aux justices. J'ai même le procès le 28 novembre, comme vous voyez là. Ils sont venus l'autre jour pour vouloir détruire. On les a. Ce matin, ils attendent juste qu'on sorte. Ils arrivent. Ils mettent toute la maison. Je veux leur montrer même le papier qu'on m'a donné à Bonadjo. Ils ne veulent pas voir le papier. On n'a même pas accepté de lire le papier que je veux. J'ai déjà fait la prison à cause de ces problèmes-ci. J'ai fait la prison 6 mois à Nébé.